À tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une montée pour de l'EDM pour débutants. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris donc toute cette partie là qu'on avait fait juste avant dans une autre vidéo. Donc j'ai repris toute cette partie là, je l'ai copiée et ensuite donc je l'ai mise ici. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté donc ceci, une montée. Donc ce qui donne ça. Quand on est sur le pattern 10, donc ça c'est pour le pattern 11 et ça c'est pour le pattern 10. Donc voilà, ça j'ai rajouté ici sur le pattern 2, donc sur ma mélodie. Ce que j'ai fait, j'ai donc mis un tac, j'ai donc mis un automation sur le paramétrique EQ2. Donc là, ça va faire un effet, on va dire, de diminution, on va dire, des fréquences. Donc ici, on n'en aura pas. Et donc ça donnera un petit effet, on va dire un petit effet de diminution des fréquences, donc on va dire du son quoi. Donc voilà. Ensuite sur le kickstart, ce que j'ai fait sur la mélodie, j'ai enlevé le kickstart pour qu'il y ait un petit peu moins de punch. Et pareil pour celui-ci. Donc pour le pattern 3 et 4, j'ai mis aussi un EQ, donc qui permet de couper les basses fréquences et donner un petit effet de un petit peu moins de son quoi, on va dire. Donc ça donne. Donc je l'ai mis ici. Et j'ai mis la même chose sur celui-ci. Hop. Donc voilà. Donc ça, on a vu les automations. On a vu ce que j'ai rajouté là. Là, j'ai rajouté un petit riser pour faire la transition entre la montée et le drop. Et ensuite, j'ai rajouté ceci aussi pour faire aussi la petite transition. Et ce que j'ai enlevé? J'ai enlevé aussi ici, là, cette partie-là. Pour enlever, pour faire la transition entre la montée et le drop. Et donc ça donne ceci. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio. Et au revoir.